tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc on se retrouve pour la suite de mes achats de mardi après-midi. Donc je viens de faire la vidéo pour chez Action que vous avez vu du coup hier, puisque celle-là je l'ai programmée pour mercredi matin, jeudi matin. Donc, eh bien, je vais vous montrer mes petits achats. Je suis assez contente. Disons, franchement, c'était pas du tout prévu que j'aille au Mans. Mais alors, pas du tout. Surtout, en plus, à Noz, c'était pas, mais alors là, pas du tout, du tout prévu que j'y aille. Et du coup, ben, je suis assez contente de ce que j'ai trouvé en fait, parce qu'il y a des fois je vais exprès en me disant ouais j'ai peut-être trouvé quelques petites choses et tout et je trouve rien du tout, et là que je ne suis allée vraiment à tout hasard, et ben j'ai trouvé plein de petites choses, et il y en avait d'autres hein, mais moi voilà, j'ai pas pris parce que je me dis que ça sert à rien, je vais peut-être pas les utiliser, mais il y avait des petites choses. Donc voilà mon truc. Alors tout d'abord j'ai trouvé ça. Il y avait pas mal de choses. Ils ont dû avoir un lot de chez Artemio. Et donc, c'est des stickers de... mince. Licorne, voilà. Alors, j'ai pris parce que j'ai ma petite nièce qui adore les licornes. Comme ça, si je dois lui faire une petite carte. Voilà, il y a de la licorne. Voilà, c'est des petits stickers de chez Artemio. Et donc, c'était 1,50 € la planche. Voilà, c'est 30 sur 30. Et vous en avez quand même pas mal. Voilà. Donc, j'ai pris ça. Il y avait toujours de chez... C'est que des petites choses de chez Artemio. Par contre, je regarde avec la lumière, parce que je ne sais pas trop si... comment dire... si c'est pas trop ébloui... Si ça éblouit pas trop. Mince. Non, non, c'était pas ça du tout. Si ça éblouit pas trop avec... Non. Je vous dis, j'ai encore rechangé. Alors maintenant, la tablette, elle est plus loin. Donc, je dois me lever, aller regarder. Voilà. Et donc là, vous avez, il y a trois planches de... C'est du washi, en fait. Hein, c'est des petites bandes de washi. Mais je les trouve trop, trop jolies. Vous avez les petits canards, les petits moutons, les petits lapins, des ânes. Voilà, des petites fleurs. Enfin, je trouvais que c'était très joli. Donc, il y a trois petites planches comme ça à l'intérieur. 99 centimes. Ensuite, toujours de chez Artemio, vous avez ces planches, vous savez, à comment ils appellent ça, à calcomanie, voilà. La décalcomanie, voilà. À chaque fois, je cherche ce nom-là, je ne le trouve pas. Et j'ai trouvé que c'était très joli, voilà. 99 centimes. Ensuite, il y a ces petites plumes de chez Artemio. Alors, je n'ai pas ouvert. Je vais ouvrir avec vous. Enfin, ça avait l'air, elles avaient l'air sympathiques comme tout. Et elles sont sympathiques. Ouais, ça, c'est les mêmes. C'est pas la peine de les sortir. Il y en a 6, en fait. Voilà. Donc, vous en avez une comme ça. Hop, il y a un petit truc. Je vais peut-être mettre dessus. Donc, vous en avez une comme ça et l'autre comme ça. Voilà. J'ai trouvé que c'était mignon. Voilà. Et donc, les 6 plumes, c'était, par contre, c'était pas donné. Mais bon, c'est 1,99 €. Mais j'ai trouvé qu'elles étaient très jolies, en fait. Elles étaient très belles. Donc, voilà. Hop, que je les mette sans les abîmer. Voilà, donc j'ai ça. Ensuite, j'ai eu ces stickers-là. Donc, toujours de chez Artemio. Et c'est que des mots français, en fait. C'est pour ça que je l'ai pris. Hein. C'est en sticker. Et donc, retour des beaux jours, moment magique à savourer ensemble, une belle après-midi ensoleillée.
Après-midi au jardin, no stress, plaisir simple et petit bonheur en famille. Les jours se rallongent pour mieux en profiter. Les joies du jardin, flâner au jardin, un rayon de soleil, le parfum du bonheur. Et là, vous allez prendre le temps de vivre, tout comme par un rêve. Bouffée d'oxygène, inséparable, un bon bol d'air, bonheur du jour, douceur de vivre, une si belle journée, petite parenthèse, instant de bonheur. Enfin bref, vous voyez, c'est que des petits mots en français. Voilà. C'était 79 centimes, la planche. Donc, il y a deux feuilles dedans, si je ne dis pas de bêtises. Il y a 52 étiquettes dedans. Voilà, 52. Et ensuite, hop, il y avait ces petites, toujours pareil, ces petits stickers-là, 99 centimes. Donc là, c'est pour garçon et là, c'est fille. Voilà, baby girl, baby boy. Boy, baby boy, baby girl. Je vais y arriver. Voilà, donc bleu et rose. J'ai trouvé que c'était mignon. C'était 99 centimes pour faire une petite carte de bébé. Je trouvais ça sympathique comme tout. Ensuite, j'ai trouvé ça. Voilà, c'était ouvert. J'ai dû aller chercher tous les petits pompons. Il y en a pour 99 centimes. Et voilà, ça fait des trucs comme ça. J'ai trouvé qu'ils étaient trop beaux. Voilà. Alors, dommage, il n'y avait que, en violet, il n'y avait qu'un paquet. C'était ce paquet-là. Et je vous dis, il était ouvert. Il y en avait partout. J'ai tout ramassé. J'ai tout mis dedans. Et vous en aviez d'autres. Je crois que, je ne sais plus quelle couleur c'était. Vert foncé ou un truc comme ça. Je ne sais plus quelle couleur. Où il y avait deux tailles. Il y avait cette taille-là. Il y avait une taille où ils étaient un peu plus petits. Mais bon, moi, je ne mets pas la couleur. Donc, je n'ai pas pris. Sinon, c'est 99 centimes. Voilà. Oh, j'avais pas vu qu'il y avait ça dedans. Oh, c'est marrant ça. Il y a une fleur. Oh, j'avais pas vu qu'il y avait ça dans le sac. Il y a une fleur en crochet. Je sais pas du tout d'où ça vient en fait. Parce que j'en ai vu nulle part là-bas. Hein. Oh, bah, c'est trop cool. Hein. Une petite fleur. Hop, on retourne là-dedans. Ça, c'est une petite surprise qui est sympathique. Donc, j'ai trouvé ça. Ensuite, évidemment, ça faisait longtemps que j'en avais pas pris du ruban. Il y a une belle quantité. Regardez, j'ai pris celui-là. J'ai pris celui-là. Alors, c'est des couleurs un peu vintage, un peu vieillotte, parce que c'est du vieux rose. Le vert, c'est pareil. Et j'ai repris un autre vert. Voilà, ça fait ces verts-là. Je trouve que ça fait joli pour faire des petites roses à l'ancienne. Et donc, c'était 89 centimes le rouleau. Voilà. Alors, il n'y a que celui-là où j'ai le métrage. Voilà, il y a à peu près, eux, ils disent 30 yards. Alors, 30 yards, ça fait presque 30 mètres. Hein. Ça doit faire 20 et quelques mètres, je pense. Et ça doit faire du 3,8 cm huit de presque 4 cm. Oh non, c'est même 4 cm, donc je vois pas trop ce qu'ils ont marqué. Non, ça fait 4 cm de largeur. Ils mettent 3,8. C'est 4 hein, en fait. Hein. Et il y avait marqué. Ouais. Enfin bref. De toute façon, il y a plus de 20 mètres, ça c'est sûr, de ruban comme ça. Là, je pense que c'est exactement pareil. Il n'y a pas le métrage, donc je ne sais pas. Et là, c'est exactement pareil. Voilà. Et donc 89 centimes pièce que j'ai payé. Voilà. Et maintenant, les deux choses. J'ai trouvé ça. Voilà, j'ai pris ça. C'était 4, 5 euros, quoi. Voilà. Je vais peut-être essayer. Voilà, je vais vous montrer. Voilà, donc c'est une matrice de découpe, hein, c'est un die. Mais les die, les vieux die, les CX, voilà. Donc c'est pour faire cette fleur-là, je trouvais que c'était assez sympa. Voilà. Et j'ai trouvé ces deux, voilà, ces deux pochettes de die aussi de CX. Alors ceux-là, c'est 3,99. Donc il y a 8 die à chaque fois. Voilà. Ça fait ça. Alors, j'avais essayé d'en couper un.
Mais après, j'ai arrêté. Voilà, celui-ci. Voilà la découpe que ça fait. Ça fait ça, en fait. Ça fait ça. Une fois qu'on défait, en fait, voilà. Ça fait ça. Ou, hop, on peut mettre que comme ça. Hein. Voilà. Je trouvais ça super sympa. Et donc, l'autre... Oh, ouais, non, j'avais mis dedans. J'avais essayé de couper. Mais là, je m'étais dit que j'allais peut-être l'essayer avec vous. Mais il faut que j'essaye avec la toga. Parce que j'ai essayé avec celle d'Action. Mais... j'ai dû rajouter des trucs, des machins, voilà, c'était pas terrible. En fait, alors, je vais pas le faire, je me suis trop embêtée pour réussir à couper. J'ai découpé, hein, mais à cause des épaisseurs, en fait. Parce que ceux-là, j'en ai un comme ça, un gros comme ça, mais je l'ai eu, je crois, quand j'avais acheté ma Big Shot. Je crois que c'était avec elle que je l'avais eu. Donc, et depuis, j'ai pas découpé avec, parce que c'est... voilà, c'était des trucs... c'est basique. Enfin, je ne sais pas trop, c'est pas... Alors, parce que là, je ne sais pas trop comment ça marche. Mais, alors... parce que quand c'est comme ça... Alors... il faut peut-être que je vienne là, que je regarde déjà si du coup si vous voyez ce que je suis en train de faire ou s'il faut que j'augmente, parce que si je monte, peut-être mieux que je monte un peu. Voilà. Je vais prendre une feuille. Parce que j'ai pas. Ah ouais, par contre, le papier que j'ai là, il est vraiment pas sympa pour faire ça en fait. J'ai fait des bêtises. Alors, attendez. J'arrive. Oh, c'est pas grave. Allez, hop, je vais faire avec ça. C'est pas grave, c'est pas grave. Alors, j'ai le bout de papier. Je vais enlever ça. Peut-être difficile. Donc, voilà. Voilà. Alors, du coup... je pense que je mets comme ça. Par contre, est-ce que... alors, je vais peut-être voir pour... je dis, j'ai pas... alors, est-ce que c'est comme ça et comme ça? Je vais peut-être mettre comme ça. Hein. Je vais bien voir. Alors, là, ça, c'est pas encore assez... hop, je règle, hein, parce que du coup, ben... pas trop s'il y avait là-dessus comment un sandwich. Ah oui, c'est dans l'autre sens. Oh, j'ai été piqué, moi. Est-ce que je continue? Ah bah non, c'est déjà au bout, et dis donc. Si ça assez si c'est assez comment dire si ça sert assez, ben non, c'était sûr. Oh, du coup j'ai abîmé mon papier pour rien. Ben, c'est pas grave, je vais remettre plus loin, c'est pas grave. Donc c'est juste, du coup il faut que ouais, j'aurais peut-être dû mettre d'autres par-dessus. Comme ça, je sais pas si c'est assez. Alors, voilà, je resserre un tout petit peu encore. Voilà. C'est juste, il faut trouver le bon réglage. Hein. Après, une fois qu'on l'a, c'est bon. Hop. Voyez, ça fait ça. Voilà. Alors, là, ça c'est bon. Parce que j'ai mis le feuille. Elle est là. Je vais enlever la machine. Hop, je la mets là. Et voilà. Et du coup,
Voilà ce que ça fait. Le feuillage. Et là, vous avez une petite fleur. Hop. Après, il faut la travailler un petit peu, hein, avec. Et voilà, j'ai trouvé qu'elle était belle, la fleur. Voilà. Du coup, c'est ça. Voilà, c'est pour faire ça. Si vous voyez bien. Et du coup, voilà ce que j'ai pris pour ça. Et après, bah, si vous voulez, on peut découper l'autre. Hein, si vous voulez tout de suite voir ce que ça donne. Celle-là, bah, je vous ai montré plus ou moins. Mais celle-là, on peut couper ensemble. On voit. Alors, hop. Voilà, ça se présente donc comme ça. Vous voyez. Voilà. Donc, hop, ça vous. Il y a deux dailles, en fait, voilà. Est-ce que je peux utiliser ça? Oui. Mais par contre, c'est trop grand. Voilà. Est-ce que ça rentre? Oui, ça rentre. Voilà. Alors, voilà. Là, comme ça. Et donc, hop. Voilà. Je vais mettre comme ça. Bah, du coup. C'est quoi qu'il y a d'autre? Il y a le petit oiseau. Voilà. À chaque fois, c'est par deux en fait. C'est comme s'il y avait l'ombre avec. Là, vous voyez comme l'oiseau et ça. Je vais les découper comme ça, vous allez voir. Il n'y a que pour le grand que je n'ai pas. C'est pas assez grand là. Donc, je vais pas couper là. Et là, encore pareil. Je dois me mettre hors écran. Alors, attendez. Je vais essayer de voir comment je peux faire. Si je peux tout mettre ou pas. Parce que sinon, je vous aurais mis. Non, celle-là, de toute façon, ça va pas aller. Donc, je vais pas m'embêter. Pas grave. De toute façon, vous aurez compris le système. Voilà. Comment elle est? Il va falloir. J'ai de quoi changer, mais comme elle coupe toujours, en fait, bah, je continue. Hein. Et donc voilà ce que ça a découpé. Alors, du coup, vous voyez ce die là et celui-là. Là, voilà, en fait, ça fait ça. Alors, je pense que je sais pas, c'est censé être, je sais pas trop quoi, mais voilà. C'est où que j'ai eu, voilà, c'est ça, voilà, c'est celui-là, peut-être censé être un papillon, voilà. Ensuite vous avez la fleur, voilà. Et donc voyez, et son ombre, donc ça fait ça. Bon, après moi ça je vois pas trop l'utilité, mais bon, voyez, ça fait ça. L'oiseau, et eh ben c'est pareil, vous avez là, ça c'est là, hop, le petit oiseau, voilà, voilà, là vous avez l'oiseau. Et là que normalement, voilà, il aurait fallu. J'ai pas coupé l'ombre pour celui-là. Mais bon, vous avez compris le système. Donc, peut-être pas besoin de.
de couper l'ombre. Je vais enlever par contre ça pour faire de la place. Et donc, voilà ce que ça fait. On enlève tout. Voilà, ça, ça. Il se coupe très bien, hein. De toute façon, c'est... Et voilà. Et du coup, ça, ça fait comme ça. Voilà. Donc, c'est celui-là. Ceux qui ne sont pas enlevés. Donc là... Et donc, ça, c'est ça. C'est celui-là. Ça vous donne ça, la découpe. Voilà. Celui-là. Et j'avais donc pris celui-là que j'avais, je vous ai montré, hein, j'avais déjà découpé le petit, j'avais testé pour voir. Je ne vais pas le redécouper. Hein. Voilà. Du coup, c'est ça, c'est les dies de chez 6X. Voilà. Et... Bon, ça, ça, ça va encore. Les petites, la petite fleur, ça va. Le petit oiseau, ça va. Ça, je trouve que c'est joli aussi. J'ai pas essayé. Il y a encore un oiseau et il y a le crocodile. Je pense que c'est un crocodile. Ou un lézard. Bon, vous avez plus une tête de lézard que de crocodile. Et une feuille. Voilà. Bah écoutez, bah voilà, hein, c'est mon petit haul de chez Nose, du coup. C'est un peu varié, j'étais contente parce que j'ai trouvé des choses un petit peu variées, en fait. Voilà, c'est... Il y avait encore... J'ai trouvé encore un die cœur, de ceux comme j'avais pris l'autre fois qui traînaient quelque part. Et je vous dis, il y avait beaucoup de choses de chez Artemio, hein, dans ces choses-là, là, il y en avait d'autres que moi, je n'ai pas pris parce qu'il y avait des stickers, des choses comme ça. Que moi, ça, j'arrête d'acheter trop de stickers parce que comme je n'utilise pas... là, j'ai pris parce que c'est des mots, donc je peux vraiment faire des étiquettes. Là, des petites bordures. Je me dis que à Pâques, hein, parce qu'il me manque toujours des choses. Donc, voilà. Et puis, je trouvais que... Et il me semble, il y a le papier avec ces animaux-là, tout ça. Et il me semble que j'ai quelque chose ailleurs que j'avais déjà pris avec ces canards-là. Du coup, voilà. Je me dis, le washi, bon, ça peut, je peux l'utiliser. Et ça, voilà. Je me dis, pour une petite carte de bébé, de félicitations, voilà. Ça peut être sympa. Mais voilà. Sinon, je n'ai pas pris d'autres. Mais il y en avait d'autres. Voilà. Il y avait d'autres stickers, en fait. Artemio. Voilà. Et pareil, dans les rubans, vous en avez plein dans ces tons comme ça. Vous voyez, c'est des tons un peu vieillis. Hein. Il y avait d'autres couleurs. Hein. Moi, j'ai pris ceux-là parce que ça m'en fait beaucoup déjà de rubans. Mais là, je trouvais que c'était pas mal pour essayer de faire des petits... Quand on fait les petites roses à l'ancienne, pour faire les feuilles, c'est vraiment les verts comme ça, hein, et le rose comme ça. Et donc, il y avait d'autres couleurs vieillies comme ça. Voilà. Et puis voilà, bah écoutez, j'espère que ma petite vidéo vous a plu, voilà, et je vous dis à très vite, voilà, pour des nouvelles petites aventures et des petits, comment dire ça, des petits tutos, voilà, je vais essayer de faire des petits tutos, parce que ça fait quand même pas mal de matériel, donc voilà. Et bah voilà, je vous dis à très vite, n'oubliez pas, petit pouce en l'air. Petit commentaire et gros bisous.